Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anis Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce matin, un projet fou pour tenter de contrer le réchauffement climatique. Le Chili se lance dans la fabrication de glaciers artificiels en faisant geler de l'eau. Oui, c'est le projet Nilus et il est très important pour le pays puisqu'il doit redonner de nouvelles sources d'eau potable aux populations. Parce qu'on rappelle, le Chili souffre de sécheresse à répétition depuis plusieurs années. Sauf que Chili, il y a aussi la cordillère des Andes, des montagnes qui grimpent jusqu'à 6000 mètres. D'où l'idée de capter l'eau dans des réservoirs en altitude, de la faire redescendre dans des tuyaux plus près de la population et d'ouvrir les vannes la nuit quand il fait vraiment très froid pour qu'elle gèle et qu'elle forme un mini glacier. Et évidemment, une partie de ce glacier finira par fondre tout doucement dans la journée, ce qui permettra d'alimenter les torrents en eau douce pour les visages. Voilà. On est capable de retenir suffisamment d'eau avec ce système ? Oui, parce que l'eau est projetée en l'air, un peu comme une fontaine dans un tuyau vertical qui fait de 15 à 20 mètres de haut. Du coup, elle va geler. Quand ça va geler, ça va créer une structure qui ressemble un petit peu à une stalagmite géante, à un énorme cône. Et ça a plusieurs avantages. D'abord, ça ne prend pas beaucoup de place au sol, même pour des tonnes de glace. Et ensuite, c'est une forme qui expose une très petite surface à la fois aux rayons du soleil. Donc le glacier va fondre moins vite qu'une coulée classique sur un flanc de montagne. Et au total, le Chili prévoit de construire comme ça une cinquantaine de ces glaciers artificiels, ce qui pourrait stocker plus de 100 millions de litres d'eau douce près des villages. C'est quand même pas mal. Oui, c'est conséquent. Est-ce qu'on est sûr que ça fonctionne ? Oui, parce que le principe a déjà été éprouvé en Inde il y a quelques années, et même plus près de nous, en Suisse. On fait des essais avec des centaines de canons à neige géants pour redonner un petit peu d'épaisseur au glacier qui s'appelle le Mörtöratsch. Et il faut dire qu'il perd quand même 30 mètres ce glacier par an. Ah oui. Enfin, on aimerait aussi reconstituer la banquise avec cette même technique. Donc il y a pas mal de projets, c'est moins fou qu'on le croit. On rappelle que les glaciers et la banquise, c'est tout simplement la source d'eau douce la plus importante de la planète. Donc pourquoi pas donner un petit coup de main à Mère Nature pour les préserver. Merci Anis Mbida.